On vous retrouve, chers invités, pour la suite de l'émission Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Credo Tété, directeur de publication de Le Medium. On va prendre la direction de Bamako au Mali. 8 soldats du contingent allemand au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. MINUSMA ont été empêchés jeudi soir de quitter le territoire malien. C'est ce qui ressort d'une déclaration du ministère allemand de la Défense à l'agence France Presse, dénonçant ainsi un harcèlement dans cette procédure. Pasteur Edo Komi, qu'est-ce qui fait réagir ainsi vos amis maliens? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec les Allemands? Non, vous pensez... Alors, ce qui est certain, et ce qu'il faut, ce qui est une évidence, c'est que le Mali ne veut plus de la MINUSMA. Ça, je crois que ça a été dit clairement sur le plateau des Nations Unies. Au podium des Nations Unies, ça a été clair. Même s'il faut que la MINUSMA reste au Mali, il faut définir sa mission. Nous l'avions dit sur ce plateau qu'on ne peut pas avoir plus de 13 000 personnes, hein, au Mali, et que les djihadistes vont continuer par réussir les attaques. C'est une force, finalement, qui n'apporte pas grand-chose, qui s'interpose, qui fait le jeu entre les forces régulières et puis les djihadistes. Et donc, le gouvernement malien était clair. Reconduire le mandat des Nations de la MINUSMA n'était plus la priorité. Vous pensez que c'est ça le vrai problème? C'est ça le vrai problème, bien sûr, parce que le Mali avait refusé. Et maintenant, le jeu trouble de l'Occident, que ce soit la France. Et ce qui fait mal, c'est l'Allemagne. L'Allemagne que nous avons toujours connue. Donc, il y a un jeu trouble au niveau des 8 soldats allemands. Oui, bien sûr, pas seulement des 8 soldats, mais de leur pays d'origine. Ils veulent quitter le pays. Oui, justement. Pourquoi ils n'ont pas pu quitter le pays? Parce qu'on les soupçonne. Il y a un soupçon qui est mené contre eux. Parce que vous vous rappelez de cette situation de 49 soldats ivoiriens. Ivoiriens qui auraient pour mission de protéger une compagnie aérienne, hein, qui est d'origine, qui a d'acquaintance avec l'Allemagne. Donc ce n'était pas clair. Il faut que les autorités maliennes s'assurent que ceux-là qui veulent quitter, hein, soient réellement dans des conditions qui vont permettre au Mali de pouvoir vivre sa paix. Mais c'est un peu ça. Et donc, moi, sincèrement, cet acharnement, on ne peut pas... C'est ce contrat entre le Mali et les Nations Unies, c'est un contrat. Mais s'il y a un contrat entre nous et que les textes disent clair que l'une des parties est libre de résilier, d'accepter, de résilier le contrat. Si on veut résilier le contrat, pourquoi il faut continuer par s'imposer? Pourquoi les Nations Unies s'imposent toujours? Parce que de ce côté, il y a la France, il y a même certains pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, dont on semble avoir l'impression comme s'il faut destituer, il faut aller à la destitution du régime en place et semer le trouble au Mali et faire venir Barkhane. Et du coup, on comprend pourquoi les djihadistes continuent de pousser des tentacules vers la côte. Pourquoi? Parce que la France a un projet d'installer une base militaire au niveau de la côte. Donc parce qu'on estime, j'ai même suivi sur une émission sur la radio coloniale où on demande si les forces Barkhane peuvent s'installer au niveau de la côte. Ce n'est pas le hier et aujourd'hui. Vous avez pris cela au sérieux? Bien sûr. Parce qu'entre-temps... La radio là annonce déjà, la radio là en train d'annoncer la venue des forces françaises au niveau de la côte. Vous n'avez jamais pris au sérieux les informations. Ça peut être le Togo, ouais. Parce que vous voyez ce que le Togo est en train de suivre, même si on essaie de... La situation n'est pas tellement claire, mais on sait ce qu'il y a. Il y a des attaques djihadistes au Togo. Il y en a. Au Bénin, il y en a. La Côte d'Ivoire en avait déjà issue. Bon, donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est clair, les autorités maliennes sont en train de donner une voix pour l'Afrique. Et moi, je dis sincèrement
que c'est l'heure pour nous, c'est l'heure pour l'Afrique, hein, de pouvoir, hein, de pouvoir jouir de son indépendance et de pouvoir tenir la dragée à l'Occident et aux autres pays du monde. Sinon, on ne peut pas admettre, les autorités maliennes ne sont pas quand même des fous. On ne peut pas empêcher des gens qui veulent quitter votre pays si il n'y a pas une situation qui les retient. Mais on ne peut pas facilement, on ne peut pas volontairement dire aux gens ne quittez pas notre pays. Ils ne quittent pas parce que il y a des choses qu'on leur reproche et il faut clarifier tout ça avant que ces soldats là ne quittent le territoire malien. Une bonne voix, vous l'aviez dit. Si justement les choses sont claires, Credo TT, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le flou autour de tous ces dossiers. C'est ça qui inquiète les gens. Oui, certes, il y a le flou, mais du côté des autorités maliennes, ils ne vous parleront pas de flou, pas parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est cette propension à faire de la publicité abusive ou bien de la publicité qui inonde les actions diplomatiques. Vous savez, les autorités de la junte au Mali aujourd'hui ont très tôt compris qu'il faut communiquer, qu'il faut rendre publiques les actions. Mais lorsque vous ne savez pas à un certain moment vous taire et faire les choses dans le cadre de la diplomatie, ça peut se retourner contre vous. Et le pasteur Edo Komi a fait un développement qui m'a convaincu que vaudrait au Mali d'empêcher des Allemands de quitter le territoire. Rien du tout. S'ils n'ont pas des informations. Mais au même moment qu'on nous dit qu'on a empêché ces neuf personnes là, c'est huit, donc il faudrait également communiquer sur ce qu'on leur reprocherait. Donc le fait de ne pas communiquer, de ne pas donner la matière même, ça laisse place à des supputations. Et nous savons qu'il y a déjà cet antécédent entre non seulement la France et le Mali, mais qui parle de la France, on pourrait voir l'Union européenne et l'Allemagne faisant partie également c'est de l'Union. C'est les deux pions de l'Union européenne. De l'Union européenne et également le rôle que jouerait l'Allemagne pour essayer de chapeauter cette compagnie d'aviation qui se chargerait de l'armement de l'aménagement. Donc il faut s'interroger. Moi, je suis partagé et tout en étant animé d'une soif de communication de la part des autorités maliennes. Parce qu'il faut que ces autorités puissent communiquer. Ils ont un très bon ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui est à l'aise lorsqu'il veut communiquer, mais il faut donner les informations essentielles, sinon on pourra leur prêter des intentions aussi. Nous avons vu, lorsqu'il a fait sa sortie sur une chaîne internationale, bien qu'il soit assez dur, mais il a pu convaincre, si vous le suivez. Il a trouvé les mots justes. Il a été dur, mais il n'a pas été impoli dans le verbe. Il n'a pas du tout été impoli dans le verbe. Donc, il a dit les choses telles que c'était. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ce gouvernement de continuer toujours par communiquer, par dire les choses telles qu'elles sont? Même la communication qui a été faite dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens, c'est également flou. C'est également flou et on peut être amené à douter de la sincérité totale des affirmations qui seraient contenues dans ce communiqué du gouvernement malien. Maintenant, on nous dit que dans les prochaines heures, ces 49 militaires ivoiriens seront présentés à la justice, mais l'opinion a soif de savoir. L'opinion a également soif d'écouter ces militaires, parce qu'on nous a même brandi des ordres de mission qui étaient bien signés et qui auraient été envoyés aux autorités maliennes par voie diplomatique. Mais la version des autorités est autre. Donc, c'est dire que. On a également soif de connaître la suite de l'affaire de l'audio entre l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et Alassane Dramane Ouattara. Oui, ça, c'est une autre affaire. Donc, ça, c'est une autre affaire. Donc, on veut avoir des points d'éclaircissement. Nous disons aujourd'hui que le Mali fait la guerre contre, disons, le monde.
si nous disons le monde, nous n'insinuons pas les pays africains, mais surtout avec les Occidentaux. Nous surtout les pays de l'OTAN. Le Mali fait la guerre avec les Occidentaux parce qu'ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à se l'admettre que le Mali ne voudrait pas être l'élève qui dit à tous les coups « oui, oui ». Parce qu'ils ont voulu avoir cette domination qu'ils avaient sur le Mali. Mais avec les nouvelles autorités, ils ont dit non, rediscutons. Donc s'il doit y avoir un sujet, un dossier assez brûlant ou bien secret, nous devons connaître les termes clairement et pouvoir discuter parce que nous avons nos arguments, nos faire valoir aussi à exposer ce qui n'est pas le cas dans une relation de domination. Aujourd'hui, on ne parle plus de colonisation en Afrique, mais on parle d'une relation de domination où les Africains doivent boire tout ce que les Occidentaux nous disent. Non, ça ne pourra pas continuer ainsi. Mais il faut que nos autorités, je ne parlerai pas uniquement du Mali, savent manier le bâton et puis la carotte. Donc c'est là où il faudrait faire un bon exercice de la diplomatie. Vous savez, on peut dire... Ou bien on nous dit généralement à une personne âgée, plus que soi, on ne peut pas dire « vous mentez okay. ». Mais vous pouvez le dire autrement. Ouais. Vous pouvez dire à cette personne « vous avez fait économie de la vérité okay. ». Donc ça veut dire la même chose, ouais. Mais vous savez comment rendre cela. Et je crois que c'est ce qui manque aux autorités maliennes, parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit égal, qu'il ait cette propension d'aller en guerre contre tous, parce qu'ils vont montrer une faille quelque part. Les soldats ne seraient donc pas en possession de tous les documents pour prendre le vol, passeur et deux commis, ils ont pris quoi? Non, ce sont les tests Covid qui ont manqué. Non, je crois quand même que... Non, ce qui est évident aujourd'hui, que doit parler tout à l'heure de la communication du gouvernement malien par rapport à ces 49 soldats, je crois que la suite, nous avons connu la suite. Même si ce n'est pas encore ça, il faut que la justice éclaire davantage l'opinion nationale et internationale par rapport à ce dossier qui est flou du côté d'Abidjan, mais qui est éclair du côté de Mali par rapport à leur communication. Et la suite, nous avons vu que même la mission des Nations Unies n'était pas informée de la mission de ces 49 soldats. Et alors que c'est dans le cadre de cette mission que... Donc pour vous, le flou se trouve à Abidjan. Le flou, et, le, et ça, je crois que même certains Ivoiriens qui sont conscients que le flou se trouve à Abidjan par rapport à la mission non dite de ces soldats. Alors quand on revient à la situation actuelle, je crois que c'est la première fois que un pays, je suis d'accord avec mon frère Credo, qu'il ne faut pas aller en guerre contre l'Occident de cette manière. Eh bien, contre tout le monde. Contre tout le monde. Et les autorités maliennes le font très bien. Les autorités maliennes n'ont jamais refusé de coopérer. Quand on prend de la Russie, c'est un pays sur la Terre, sur la planète Terre. La Russie n'est pas dans le Mars. Dans le Jupiter. Et si les autorités maliennes veulent diversifier leur partenariat? Et si d'autres pays veulent diversifier leur partenariat avec d'autres, comme la Russie, la Chine et même l'Iran et autres... Ça, on ne peut pas refuser. Pourquoi au Mali. Pourquoi on va le leur refuser? Et pourquoi le président français va se dire que comme si la Russie est en train de financer, serait en train de financer les activistes africains pour pouvoir agir sur les intérêts français. Ce n'est pas le cas. Bon, donc, je crois que le Mali est dans cette posture de dire aux Occidentaux que désormais, il faut aller à cette politique d'égalité, d'équité. Et il faut quitter, cette politique de domination où on vous impose tout. Domination où c'est la France... qui est sur le point d'élire tous les chefs d'État pour l'Afrique. Et donc, les autorités... Le Mali n'est plus si certains Africains veulent quitter, par exemple, l'Allemagne pour venir en Afrique et que leurs papiers ne sont pas à jour, est-ce qu'ils vont décoller? Non. Est-ce qu'ils vont décoller? On ne va pas dire que c'est parce que c'est des Blancs que quand leurs papiers ne sont pas à jour... Donc, il faut les laisser partir.
comme si les Occidentaux viennent à l'aéroport, on leur donne le visa, ils font de n'importe quoi. Mais nous, avant d'avoir le visa, mais ce n'est pas le tel que la formation est arrivée, c'est comme les papiers sont confisqués je crois par les autorités maliennes. Mais c'est tout à fait normal, c'est les autorités du Mali. C'est les autorités du Mali. Non, c'est les papiers, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas à jour. Non, je dis, c'est les autorités maliennes. Et je crois qu'une communication est attendue prochainement pour élucider, pour éclairer, pour donner des raisons pour lesquelles ces Allemands n'ont pas pu quitter le territoire malien. Et je crois que le problème, c'est le problème, pasteur Edo Kobi, ce n'est pas le renouvellement de la mission de la municipale qui est la base du problème. Pour être clair, je parle à la place des autorités maliennes parce que j'ai fait une lecture. Je parle à la place des autorités maliennes parce que j'ai fait une lecture. Il faut que tous ces éléments quittent le Mali. Le Mali est dans cette posture que fera tout et tout pour que les gens quittent, pour que l'administrement replie ces éléments. Parce que pendant des années, mais vous voyez, les gens meurent au jour le jour. Vous voyez les soldats de MINUSMA qui meurent chaque jour. Ouais. Alors que les casques bleus qui meurent chaque jour. Par contre, le rendement sur le terrain, Les Maliens veulent les aider. Les Maliens veulent les aider à partir. Pour faire économie. Il faut faire économie de ces morts. Puisque leur mission n'a pas servi à arrêter les menaces djihadistes. Par contre, on a plutôt vu que c'est comme si les MINUSMA, les forces des Nations Unies, ont plutôt contribué à favoriser l'éclosion ou bien l'expansion du terrorisme au Mali. Et ça, personne ne peut l'accepter. Je crois que c'est cette dimension qu'il faut donner à ce qui se passe aujourd'hui. Et les autorités maliennes ne vont pas le faire de manière non fondée. Et déjà, le cas des 49 soldats relance le débat du départ de l'aménagement du territoire malien. Alors, Credo Tété a envie de parler avant de lui donner la parole. Il y a une pause, elle s'impose. On revient pour la suite et la fin bien avant. On va continuer le voyage à Bamako avant d'atterrir à Lomé au Togo.